Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Aujourd'hui, Jésus est né. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est Dieu fait homme. Il est le Verbe fait chair. Et vous connaissez son nom, Prince de la paix, merveilleux conseiller. Accueillons celui qui nous demande de nous laisser aimer par lui. Celui qui, les bras ouverts, est prêt à nous accueillir dans tout ce que nous pouvons vivre, dans nos joies, nos espoirs, nos angoisses. Ses bras sont ouverts dans la crèche de Bethléem pour accueillir chacun d'entre nous avec nos blessures et nos espérances, avec nos défaites et nos victoires dans l'amour. Et nous prierons particulièrement pour tous nos frères chrétiens d'Orient, particulièrement ceux d'Irak, de Syrie, de Libye, sans oublier nos frères et sœurs d'autres pays, d'Afrique, tous nos frères chrétiens qui souffrent, les familles blessées au Pakistan. C'est pour eux tous, pour nous tous, que Dieu s'est fait homme et qu'il a les bras ouverts pour nous accueillir et accueillir l'homme dans sa blessure. Il est le consolateur, celui qui vient apporter à l'homme réconfort et espérance. Accueillons cette miséricorde infinie du Seigneur avec un cœur se laissant saisir par l'amour de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion : Il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie,
car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur de la terre, chantez au Seigneur et bénissez. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez. Seigneur, sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur, et lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu
bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosterneront devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang,
ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Regardez cet enfant dans la crèche, ce nouveau-né, et voyez de quel amour vous êtes aimé. Voyez de quel amour vous êtes aimé, un nouveau-né, un enfant, Dieu fait homme. Merveilleux conseiller, prince de la paix, voyez la grandeur de Dieu, il se donne dans ce petit enfant. Voyez la toute-puissance de l'amour. Il vous est livré dans ce petit enfant. Voyez la force de la paix. Il est dans ce petit enfant tout uni à Dieu le Père. Voyez l'amour dont l'homme est aimé. Dieu s'est fait homme. Voyez la grandeur, l'immensité de l'amour pour chacune et chacun d'entre vous. Dieu s'est fait homme en ce petit enfant nouveau-né dans la crèche de Bethléem. Il y a un peu plus de 2000 ans, à un moment donné de l'histoire du monde. Peut-être me direz-vous, mais quel est son pouvoir? Que peut faire un nouveau-né dans l'histoire de l'humanité? Il a changé le cours de l'histoire. Il a changé votre vie, il a changé la mienne. Parce que devant ce nouveau-né, nous savons que devant la tentation, la force du pouvoir, de la domination, de la violence, et rappelons-nous, la violence d'Hérode, la violence d'Hérode qui a peur de ce nouveau-né. Ce tyran, Hérode, a peur de ce petit enfant de la crèche de Bethléem. Le grand tyran, celui qui écrasait, qui tuait. Voilà que cet enfant lui fait peur et qu'il massacre les saints innocents lorsqu'il apprend sa naissance. Pourquoi a-t-il donc si peur, ce tyran? Pourquoi cet homme, comme tant d'autres, homme de pouvoir, assoiffé du pouvoir, voulant tenir le pouvoir pour soi-même, pourquoi a-t-il peur de l'amour qui vient de naître? Peut-être sait-il inconsciemment que l'amour peut tout, que l'amour croit tout, que l'amour endure tout, que l'amour
est plus fort que la tyrannie, que le pardon est plus fort que la violence, que le don de soi-même est plus fort que tout ce qui veut ramener à soi. Peut-être a-t-il deviné que la puissance de l'amour est la puissance qui soulève, qui relève et qui transforme le monde, parce que la puissance de l'amour qui se donne est justement cette puissance qui vient transformer l'humanité. Regardez cet enfant nouveau-né de la crèche. C'est Dieu fait homme, l'amour même, Dieu qui est amour, l'amour même qui s'est incarné. Regardez l'humilité de notre Dieu qui s'est fait humble dans la chair de notre chair, mais la force de ce Dieu qui, dans la mort de ce Fils bien-aimé Jésus-Christ, va relever le monde en le ressuscitant et en nous donnant la vie éternelle. Voyez de quel amour vous êtes aimés. Dieu s'est fait homme. Dieu a épousé la nature humaine. Et désormais, entre lui et vous, entre lui et tout homme, c'est l'histoire d'une alliance, c'est l'histoire d'une épousaille, c'est l'histoire d'une union. Dieu a épousé l'homme. Dieu s'est fait homme. L'amour a pris chair de notre chair. Ô homme, reconnais ta dignité, reconnais ta grandeur, reconnais que tu peux être debout et fier d'être homme, car tu portes en toi l'amour même de ton Créateur. Tu portes en toi la force même de celui qui a créé le monde, de celui qui pardonne et qui sauve. Tu portes en toi la vie éternelle. Mais ô homme, en reconnaissant ta dignité, reconnais ta responsabilité. Portez cette union avec Dieu, porter cette dignité, c'est assumer la responsabilité de désigner, de manifester l'amour même de Dieu, cet amour qui renonce au pouvoir pour le service, cet amour qui renonce à la vengeance pour le pardon, cet amour qui renonce à l'amertume. En recevant la miséricorde, c'est la responsabilité même alors de l'homme qui est celle d'aimer son prochain comme soi-même, parce qu'il porte en lui l'amour même de Dieu. Ô homme, regarde ce nouveau-né dans la crèche. Accepteras-tu de te laisser aimer par ce nouveau-né? Oh, évidemment, si je pose la question en théorie, accepterez-vous de vous laisser aimer par ce nouveau-né, Jésus, Dieu fait homme? Vous me répondrez sûrement oui, enfin je l'espère, je le souhaite pour votre bonheur. Mais pourquoi est-ce si difficile de se laisser aimer? Pourquoi sommes-nous parfois si avides de faire plutôt que de laisser l'amour nous saisir, nous traverser, nous rejoindre? Aujourd'hui, devant ce nouveau-né de la crèche, il nous faut accepter de nous laisser aimer par cet amour qui peut tout, qui croit tout, qui endure tout. Aujourd'hui, entre le ciel et la terre, Dieu s'est uni à l'homme. Aujourd'hui, l'homme est porteur de Dieu, porteur de la dignité,
mais surtout, cette union entre Dieu et l'homme, elle est et elle s'exprime par une joie étonnante. Rappelez-vous la joie de Jésus et Jean-Baptiste au jour de la visitation d'Élisabeth et de Marie, la joie de l'homme qui rencontre cette alliance, la joie de l'homme qui découvre qu'il est aimé d'un tel amour qu'il ne fait plus qu'un dans l'amour de Dieu. Cette joie de se savoir porté, aimé, réconcilié, alors effectivement, rien, pas même la souffrance, pas même la violence d'Hérode ou d'autres tyrans d'aujourd'hui, rien ne pourra jamais, pas même les trahisons, pas même les défaites, pas même les échecs, pas même le péché, rien ne pourra vous séparer de la joie qu'il y a à découvrir que Dieu qui vous aime s'est uni à vous pour que vous puissiez porter la dignité de cet amour et y percevoir le sens de la vie dans la joie et le bonheur. Que cette union soit pour vous la plénitude de la joie qui est de reconnaître la beauté de notre Dieu invisible qui se donne aujourd'hui à voir dans le trait de ce nouveau-né de la crèche de Bethléem. Il est enfant de Dieu et enfant des hommes. Il est Dieu fait homme. Il est pour chacun d'entre nous la révélation de notre vocation d'homme, devenir enfant de Dieu. Ô homme, regarde, vois de quel amour tu es aimé. Vois l'amour dont tu es aimé dans les bras ouverts de ce nouveau-né de la crèche de Bethléem. Ô homme, découvre de quel amour tu peux aimer, de quel amour tu peux semer le bonheur et la joie en te laissant saisir par les bras de ce nouveau-né de la crèche. Alors tu pourras toi aussi ouvrir les bras et porter cet amour et cette joie au monde.
Sanctum Dominum et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints qui proclament ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque André, ses auxiliaires, Monseigneur Jérôme Beau ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, les bras ouverts comme l'enfant de la crèche, appelé à être enfant de Dieu par le baptême, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. »
et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Noi, 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 noi
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de Noël. Ce soir, après la messe, vous pourrez venir voir notre crèche à ma main droite, derrière le mur du chœur. Ainsi d'ailleurs, toute que la semaine où il y aura, aux heures et aux jours marqués sur votre feuille, des nocturnes exceptionnelles pour visiter la crèche. Samedi 27 décembre, à 20h, audition d'orgue, comme tous les samedis, donc l'entrée est libre. C'est Elisabeth Schlumberger qui donnera cette audition d'orgue. Le jeudi 1er janvier, journée mondiale pour la paix, à cette occasion, nous accueillerons ici la communauté Saint-Égidio. Ils participeront aux vêpres et à la messe qui suivra le soir. Vendredi 2 janvier, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, premier vendredi du mois, premier vendredi de l'année, à 15h. Le soir, ostension simple de la Sainte Couronne à l'issue de la messe de 18h15. Par ailleurs, il y aura un concert à Notre-Dame le mardi 30 décembre à 20h30. Puer Natus Est, c'est du chant grégorien et de la musique médiévale. Vous pouvez prendre des places à l'accueil de la cathédrale. Et dans les jours qui viennent, s'il vous reste un peu de temps et un peu d'argent, vous pouvez passer à la boutique de la cathédrale. Elles ont des idées de cadeaux tout à fait sympathiques pour offrir à nos amis. Et cela permettra à l'association Maurice de Sully de vivre pour le bien-être de la cathédrale. Enfin, jusqu'au printemps, n'oubliez pas que tous les dimanches, des jeunes de l'Ordre de Malte donnent des petits déjeuners aux sans-abri dans le quartier. La tente est installée au jardin du chevet. L'entrée se fait par le square Jean 23. N'hésitez pas à venir les aider. Voilà, nous pouvons terminer notre célébration. Je vous renouvelle tous mes vœux de joyeux Noël, de bon Noël, en mon nom propre et au nom des chapelains de toute la cathédrale, n'est-ce pas ? Et à vous revoir peut-être l'année prochaine. Nous nous levons pour terminer notre célébration avec Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant que je vous donne la bénédiction solennelle de Noël, vous savez que durant la nuit et la journée de Noël sur la cathédrale, il y a de très nombreuses célébrations et beaucoup de travail pour que tout se passe bien. Et donc, je remercie chaleureusement tous les employés et bénévoles de la cathédrale, les prêtres, les chapelains et recteurs de la cathédrale, ainsi que Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, qui chaque dimanche et chaque jour nous aide à prier et qui, chaque grande fête, nous montre encore plus leur talent que nous apprécions chaque jour. Donc merci beaucoup aux clercs aussi qui aident à la vie liturgique, aux prêtres, à tous ceux qui travaillent à la cathédrale et à tous ceux qui chantent à la cathédrale de nous avoir aider à prier, de nous aider si souvent à prier tout au long de l'année. Et alors on va me dire que j'ai oublié les organistes, mais quand je parle des musiciens, je pense aussi aux organistes, évidemment, et donc je pense qu'ils s'étaient reconnus. Ils me le diront après. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini,
Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon Noël à vous tous, très bon Noël aux téléspectateurs de KTO et auditeurs de Radio Notre-Dame qui nous ont suivis. Que ce soit un temps de joie et de fête pour chacune et chacun d'entre vous. Et nous nous confions à la Vierge Marie.